C'est Fitz le Brasseur. Et qu'avant-fu? On est ici aujourd'hui pour vous présenter notre podcast numéro 6, mesdames et messieurs. On est déjà rendu au sixième. Que le temps passe vite! Hey, le monde aime ça. Puis euh, nous, autant qu'on est capable d'en donner, puis que le monde peut l'apprécier. On est déjà rendu à 1000 vues sur notre premier podcast numéro 1 sur YouTube. Merci beaucoup pour les visionnements. Merci beaucoup pour les commentaires. Les bons commentaires qu'on a, c'est tout le temps très apprécié. Alors, mon cave, euh, de ce temps-ci, encore en confinement, qu'est-ce qu que tu fais de bon? Je brosse la bière, puis ça se résume pas mal à ça. paraît que tu as un petit mal de dos, mon petit d'amour. Ou... Ouais, ouais. En ayant un petit peu trop de temps dans les mains de ma femme, elle a 56 millions de projets. et qu'elle a décidé de un, me faire un beau petit masque avec une moustache puis une belle petite barbe. T'es très beau. Ouais, merci, chérie. Puis, euh, on a fait du paysagement à extérieur euh, vu qu'on était pogné à la maison, puis la pierre de 100 livres a eu raison de moi. Fait que euh, des petits déchirements lombaires qui fait que euh, je suis un petit peu handicapé, mais coudonc. On voit que t'es vraiment en forme, mon Kev. Hein. On aime ça, voir un beau Kev en euh, forme de même. Ouais. Fait que si ça délire un peu aujourd'hui, c'est parce que Kev et ses médicaments, hein, la grosse morphine forte. Si, si vous avez vu son dernier post qu'il a fait, mais là, peut-être que c'est pas le dernier, là, mais ils viennent de brasser hier... Puis, il Ils en de peser de la petite boule blanche. Mon cœur, c'est quoi de t'apprendre de, 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 de peser dans ta petite balance, ces petites boules blanches là, pour le monde qui nous écoute, on est comme curieux un peu? C'était du gyps et du calcium chloride pour euh, pouvoir euh, changer mon profil d'eau pour être capable d'avoir un plus, plus de rondeur en bouche, vu que j'ai fait une Quebec Mocha White Stout. Oh, il me semble que c'est beaucoup de mots, ça, pour euh, peu de choses. Ça veut dire quoi, une euh, dvek euh, Mocha, euh, ce machin chouette, là? Euh, ma white stout, c'est que ça va être une bière qui va être beaucoup plus pâle, mais avec des grains torréfiés pour aller chercher les saveurs d'une stout, mais sans avoir trop punché. Le côté mocha, c'est que j'ai racheté du lactose dedans et je vais prendre du cacao que je vais tremper dans la vodka pour pouvoir mettre dans le fermenteur par la suite. Et j'ai pris ma levure Kvek pour à, donner des fermentations qui était un petit mix qui va donner des petits goûts de lever belge un petit peu en même temps euh, que j'ai eu d'escarpement de, de et qu'on on va voir le résultat. C'était la première fois que je fais cette recette-là que j'ai décidé de m'amuser avec. Euh, puis parmi toutes les lover de qui existent dans le monde, c'est laquelle que tu as choisi, mon Kev Il <laughs> dur à dire. Euh, qu Il va falloir que je le regarde sur ma liste, puis je vais vous redonner ça. C'est quel leveur de que j'ai pris Ah, uh Kev -huh, de la misère avec les decks! Alors aujourd'hui, pour le podcast numéro 6, on a décidé de vous parler de bière un petit peu plus forte, une bière un petit peu plus euh, automnale ou euh, printanière, euh, début du printemps, quand il commence à se réchauffer, ou une bière qui se boit vraiment, vraiment bien à l'entour d'un bon feu de camp ou un feu de foyer quand il fait très, très, très froid. En Arctique. Ben, justement, ces bières-là, vu que c'est des, des grosses bières pesantes, ils vont gagner à vieillir. Donc, si vous brassez tout de suite, il vont être prêt pour votre hiver, quand il va être frais avec votre feu de foyer. En plus de ces bières-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des bières qui sont faites pour être vieillies, comme Kévi dit. Puis d'habitude, le style-là, on ne boit pas ça en date d'un mois ou deux quand on l'a brassé. C'est des bières qu'il qui faut qui a une maturation assez longue pour être capable de le déguster. Mais ça va chercher son plein potentiel de la bière. La bière va évoluer en vieillissant. Puis, généralement, vous allez avoir des goûts qui vont changer et qui vont être beaucoup plus agréables. Et que quand vous allez goûter le type de bière, vous allez pouvoir vraiment de... remarquer la différence. On vous avait demandé aussi dans le dernier podcast, ben dans les derniers podcasts, de nous envoyer des bières qu'on puisse déguster devant vous et de, 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 de parler un peu de vos bières que vous avez faites à la maison. Eh bien, mon ami LP, hein, on connaît tout LP, il est très actif sur les réseaux sociaux. WhatsApp, LP, oh, il nous a apporté une stout je pense que c'est une robuste Porter ou une robuste quelque chose parce que il m'a dit que c'était à 10.5 d'alcool. Pour vous situer à matin, ben aujourd'hui en fin de compte quand vous écoutez le podcast, il est présentement 7h25 du matin. Puis on boit de la bière à 10 d'alcool, puis moi je travaille tout de suite après. Kev c'est correct là, il a pris des médicaments, il va aller se coucher. <laughs> oui. Vous allez le voir dans sa claquette après, il n'y aura plus mal au dos, pantoute, pantoute. Mais euh, je trouvais que j'ai trouvé ça le fun que LP m'apporte cette bière-là comme par hasard. Et il me l'avait apportée pour que je goûte puis j'ai dit Ah, à 10 je vais partager ça avec mon ami Kev, pour on va faire un podcast avec. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'on boit le, 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 la bière qu'on va boire de 11 comtés, c'est un vin d'avoine. Alors, non un vin d'orge, mais un vin d'avoine qui est quand même aussi à 9 Alors, on est dans un gros pourcentage d'alcool ce matin. On a à peine pris notre café matinal. Même pas. Préparer les setups, puis go, on boit de la bière. Bien, euh, on aurait voulu setter euh, le... notre podcast le soir, mais malheureusement, avec les disponibilités, euh... J'imagine qu'on va remercier vraiment tout le monde qui encourage beaucoup le brasseur parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de commandes qu'il reçoit pour les gens qui ont du temps entre les mains et qui veulent brasser. Fait Il fait son possible pour être capable de vous servir le plus rapidement possible. Ah, oh, c'est mais beau ça. Belle petite couleur. Oui, ouais, on ouais. fait notre possible pour, euh, pour, euh, pour vous servir le plus rapidement possible. Hein? Le possible pour le plus rapidement possible. S'il vous plaît, si vous m'envoyez des recettes par Courriel, mettez toutes vos informations, ça me empêche des de chercher. Euh, mettez 100 kilos puis en grammes pour les houblons, puis euh, le kilo pour le, le grain, euh, ça me fait sauver énormément de temps. Petite anecdote 101, pendant que je me verse la bière de caf, de, de je vous explique un peu comment ça fonctionne euh, présentement au brasseur. Il y a beaucoup de monde qui sont habitués de, de, de les trois dernières années parce que oui, ça fait maintenant trois ans qu'on est ouvert, c'est officiel, ça va super bien, je suis vraiment satisfait de. Du monde, de mes clients que j'ai, les, les commentaires qu'on a, on a rentré encore plus de matériel, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent pour 2020 malgré le COVID-19. Écoutez, on ne se laissera pas abattre par un petit virus qu'on n'est pas capable d'avoir à l'œil nu. Le seul problème qu'on a, c'est qu'avec les commandes en courriel ou les commandes en web, c'est beaucoup plus long à faire. Si vous m'envoyez une commande par euh, mon site web, quand il fonctionne bien, évidemment. Ça me prend environ 15 à 20 minutes pour la, la transaction, il me reste la facturation, puis vous êtes prêt à aller la chercher. Si vous m'envoyez un courriel, le problème c'est que ça me prend 45 minutes par recette à faire. Il faut que je tape la recette, il faut que l'on la pèse. Après ça, il faut que je vous envoie un lien de paiement. Puis là, si vous rajoutez du stock en plus de ça, ben ça me fait perdre énormément de temps. Fait que je vous demanderais juste pour le temps qu'on n'a pas accès à des machines Interact quand vous venez faire des commandes Pick-up de vous assurer d'avoir tout dans le premier courriel. Quand je reçois 10 courriels de la même personne avec des changements entre ça, c'est vraiment l'enfer, puis vous risquez fortement d'avoir des, euh, des erreurs dans vos commandes. Puis ça, j'aime pas ça envoyer des commandes qui manquent du stock ou qu'on s'est trompé. Fait qu'essayez de me faire un beau courriel. Prenez le temps de le faire comme du monde, là. Mettez-moi ça en kilos, mettez-moi votre nom, votre numéro de téléphone, moulu ou pas, par recette ou pas. Euh, puis si vous voulez euh, le, la livraison ou le pick-up, après ça, faites-moi votre courriel d'ingrédients recette numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si vous en avez 10. Puis vos houblons en même temps, vos leveux. Puis s'il arrive quelque chose, bon, on va communiquer ensemble par la suite. Si on a 10 courriels, c'est vraiment long et c'est vraiment pénible. Oui, c'est pour vous autant que pour lui. Parce que vu qu'il y a beaucoup, une grande demande, vu que tout le monde veut brasser présentement, euh, ça permet d'avoir un service plus rapide. Et euh, en même temps, de, pour vous recevoir votre matériel plus rapidement. Alors, euh, on va boire la bière de LP présentement. Euh, petite bière euh, stout. Euh, est un petit peu froide à mon goût. Mais elle sent très bonne, par exemple. Elle sent vraiment bonne. On... Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, là, mais euh, on, 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 on s'est gâté un peu dans, dans, dans la capacité de nos verres. On les a comme remplis pas mal pour une bière à 9-10%, 10,5%. me semble qu'il m'avait dit, LP. Un bon Alors, déjeuner. Corrige-moi si je me trompe. Ouais, fait qu'on va la réchauffer un peu dans nos mains juste pour pas avoir le, 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 le petit goût juste amer de la pierre. Mais il y a le côté, son collet qu'on qu montre qui est très foncé aussi du côté de la stout. Puis une tenue de mousse très belle aussi. C'est vraiment bon comme bière LP. Là. Vraiment, ça goûte pas, pas en tout. Pour une bière à 10 c'est dangereux. C'est oui. vraiment dangereux. Qu'est-ce que je veux dire dans une bière dangereuse? C'est que quand tu prends une gorgée d'une bière d'habitude qui a un haut pourcentage d'alcool, ça vient de chercher un petit peu dans la gorge, tu sais. Puis un peu dans le nez aussi. Parce que c'est l'alcool qui va ressortir le plus. En plus de ça, là, elle était à 2 degrés. Euh, c'est vraiment froid pour une stout. On goûte aucunement, en tout cas moi je goûte aucunement l'alcool là-dedans, là, mon cœur. -là. Non, c'est rond en bouche. Il y a une longueur. J'ai pris une gorgée. Puis je continue à y goûter continuellement. Là. Je, je sens euh, le côté routi. Je vais aussi le côté même noisette qui ressort quand même ouais, pas noisette. mal dedans. Euh, moi, je la trouve excellente, pas trop carbonisé pour le style, ça fait très facile à boire parce que c'est trop carbonisé des fois. Ouais, mais il l'a pas mis heure. avec du carbone, il l'a mis avec du CO2. Ouais, je sais, il faut que je pèse mes mots maintenant. Et <laughs> pas trop gazifié, hein? gazifié. On On met pas de carbone dans, dans la bière, là, on, on, on met du CO2. Puis ça, c'est du gaz carbonique. Oui. Fait que c'est gazifié. D'accord, je, je vais essayer de me remettre dans le droit chemin. C'est bien ça, mon Kev. J'aime ça quand, quand tu essayes de, de faire des choses comme ça. Fait que LP, félicitations pour ta bière. Elle est vraiment bonne. Aucun défaut. J'aurais aimé ça de dire Ah, elle goûte ci, elle goûte ça. Elle est pas super bonne à cause de ça. Mais non, aucun défaut. En tout cas, moi, j'ai pas vu de défaut. Kev, tu vois-tu des défauts pour euh, que LP puisse s'améliorer? Sur cette bière-là, j'ai absolument rien à dire au niveau de l'odeur, au niveau du goût, au niveau de l'amertume, la carbonisation, la tenue de mousse, la couleur. Euh, pile poil, c'est une très, très bonne bière que je pourrais. Euh, moi, je serais très heureux d'avoir produit ça. Mais euh, comme Fit disait. Il a ça te dire quelque chose, mais il va garder ses mauvais commentaires sur mes bières en place, et qu'il est, il est moins gêné. Ben non, c'est pas une question d'être gêné, c'est une question que, Kérim, quand tu m'amènes une bière qui est mauve pis qui est pas buvable, qu'est-ce que si tu veux que je te dise? Je peux pas vous dire au monde, hey, « Ah, cool, ta bière, elle est vraiment de la bonne couleur pis elle goûte super bonne! » Hey, comme on, on a dit, on veut avoir les vraies choses pour qu'on puisse s'améliorer. Exactement. Alors, j'ai parlé un petit peu de... Dans le premier podcast, on parlait de bière, je pense, si ma mémoire est bonne, là, comment boire les bières, puis ces affaires-là, les températures, ces affaires-là. Euh, les dernières bières qu'on a bues en podcast, c'était des bières un peu... Euh... Ben, on a eu une IPI rustique, qui était pâle. On a eu... On a eu beaucoup de bières qui se buvaient froides en fin de compte. Oui. C'était pas des bières que tu voulais faire réchauffer ou peu importe. Euh, non, c'est les bières qu'on boit présentement. Plus qu'un petit truc là, pour savoir à quelle température boire sa bière. Plus que de grains torréfiés dans la bière. Fait que plus que la bière va être foncée, plus que la bière va se boire à la température plus dite pièce. Oui, vous allez gagner beaucoup en saveur, les ça va, euh, les, les longueurs, les même les profondeurs. En voulant dire, il y a plusieurs étapes des fois, dans, dans notre bouche qu'est-ce qu'on va goûter. Puis, il euh, y a des saveurs qui vont vraiment ressortir en réchauffant euh, la, la bière que comparativement si elle sortait directement du frigo. Fait que si vous n'aimez pas la bière, tu sais, il y a du monde qui, des fois, qui disent Ah, ma, ma blonde, elle n'aime pas ça, la bière. » Puis, « J'ai beau y essayer plein d'affaires, elle n'aime pas ça. » Commencez par euh, des rousses. Un petit peu, là, on parle pas de température pièce pour une rousse, mais on va parler d'environ, euh, quoi, 7, 8, 9, 10 degrés environ pour la rousse. Puis là, c'est là qu'on va trouver tous ces côtés caramel, les côtés de, 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 de des, des grains caramélisés qui vont aller sortir, du butterscotch, après ça, du caramel au beurre, puis des choses comme ça. Des fois, le, les monde qui aiment un petit peu moins la bière vont commencer par des bières comme ça, qui vont ressortir plus les goûts euh, du grain, en fin de compte, que qu'avoir l'amertume comme une IPA, ou une blonde qu'on goûte... C est, c est, c est... Des fois, le monde, il compare ça à des Cars Light, là, parce qu'on a tous bu des Cars Light. Puis le monde dit « Ah, j'aime pas ça, la bière. » Euh, la preuve que ça goûte pas juste l'eau, il y a du monde qui aime pas ça puis qui le monde aime l'eau quand même. Ben une, une des choses que le goût se développe en premier, c'est le goût sucré. Des ouais. enfants, quand ils sont bébés, ils vont goûter des bonbons, ils te le quête. puis c'est quelque chose qui vient chercher. Pensez au, au vin, le monde disait j'aime pas le vin, mais jusqu'à temps qu'ils trouvent un vin sucré, après ça votre palais se développe. Et que si vous avez quelqu'un dans votre entourage... Vous essayer une bière avec des fruits dedans qui va faire une petite différence. Il euh, va. Un, un, quelque chose de plus. À Camerise, mon Kev Oui, la la bière à Cambrise euh, Vu que j'ai brassé beaucoup avec la camrise, euh, c'est une belle couleur, en plus, un beau rose. Ouais. Vous allez déjà gagner euh, les. <laughs> les cœurs des demoiselles qui n'aiment oui. pas trop la bière. Ça, ça ressemble un peu à un rosé, c'est super bon. En passant, cave je voulais, je voulais prendre un peu de, de notre temps qu'on a sur notre podcast pour te féliciter pour les bières à Camerise que tu as faites. Sont toutes excellentes. J'ai de la misère à, à dire laquelle est ma préférée. On, Kev, j'ai fait faire des tests de de, 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 de bière à la camerise. On a fait une sûre. Kev, il a fait une sûre, il a fait une blonde, puis il a fait une stout. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Pour la première fois, je vais vous dire, on parle de température de bière, là. Ouais, ça paraît en maudit là-dessus. Euh, C'est la première fois. Normalement, je prends toujours mes bières noires, tablettes ou à peine un petit peu fraîches. Cette bière là, la stout avec des fruits dedans dans la camerise, a beaucoup gagné à la boire froide. Et normalement, c'est toujours le contraire, ça venait juste balancer le côté fruité qui était une petite affaire, euh, acidifié, un petit peu d'amertume en, en cause du fruit dedans, mais ça venait juste balancer avec la rondeur du grain. Et euh, oui, et moi, justement, j'ai eu des expériences, des amis qui m'ont amené, qui ont été directement en Gaspésie, puis ils m'ont ramené des, euh, des bières du naufrageur avec euh, des éditions spéciales de stout avec de la framboise et un autre stout avec la cerise. Et j'ai trouvé ça correct, mais en fin de compte, probablement que j'ai pas bu ça à la bonne température pour l'apprécier pleinement. J'ai découvert ça, je partage ça avec vous, et que si vous aimez, vous faites une stout avec des fruits essayez de voir la différence entre froid et chaud pour ce type de bière-là. Le meilleur truc pour quand vous commencez à déguster de la bière puis vous voulez vous améliorer dans vos connaissances euh, olfactives et dégustatives, c'est tout ça qu'on dit, Kev? Moi, je te fais confiance. <rire> <rire> pas, je suis pas le meilleur français. Euh, commencez par sortir votre bière froide. Hein? Fait on va sortir la bière qui est froide puis on va... Là, on, on parle pas de saouler puis de boire comme des cochons, on parle de déguster une bière. Puis, laissez-la réchauffer tranquillement. Plus que ça va aller, plus que votre bière va se réchauffer. Puis là, vous prenez des notes, soit dans votre tête. Si vous êtes comme moi, vous êtes mieux de le mettre sur papier, parce que dans votre tête, à un moment donné, vous allez l'oublier. Et après ça, vous allez savoir que, ah, c'est ce genre de stout-là, j'aime mieux ça froid, j'aime mieux ça ce chaud. C'est euh, ce genre de bière-là, il y a du monde qui boit toute tablette, parce qu'ils sont habitués comme ça, mais ils gagneraient peut-être des fois à, à mettre ça un petit peu plus froid ou un petit peu plus chaud. Tu sais, c'est rare que la bière, on va boire ça chaud, là, mais, euh, tu sais, mettons à 22, 23. Tout ça pour dire que... La stout c'est ma bière d'été. J'aime ça boire ça au soleil, dans une terrasse. Sais tu sais pourquoi, Gav? Parce qu'il va déguster. Et une bière froide, si pendant de la déguster, elle va se réchauffer assez rapidement avec le soleil. Tandis que celle-là, c'est parfait si elle se réchauffe au soleil. Exactement. Fait que moi, mes bières d'été, c'est des stouts. Un peu bizarre, vous allez dire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Regardez-moi la face. <laughs> On l'aime de même. Okay, sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prenez une bière, mettez-la au frigo, l'autre, mettez-la au tablette. Ouvrez les deux en même temps. Si vous la partagez ou vous vous sentez en forme, faites la comparaison directement. Puis par la suite, comme je disais, regardez graduellement s'il se réchauffe Vous mettez-le juste 10 minutes ou 15 minutes au frigo pour faire des, des essais erreurs, si vous voulez, versus qu'est-ce que vous préférez pour la bière que vous avez faite. Alors aujourd'hui, le podcast se reportait, comme vous pouvez le voir, sur les bières fortes d'automne, d'hiver, euh, à cause de LP qui nous a apporté une... Euh, tu appeler ça une robuste porter. Désolé LP si c'est pas le nom. Moi, je le, classifie comme, je le classifierais comme une robuste porter. Oui, moi, j'ai le feeling... Écoute, c'est sûr que ça, c'est un autre débat de, entre porter et stout. Il y a tout un côté historique <laughs> en arrêt, le quête. On n'ira pas là-dessus, là. Non, Mais parce que la stout, elle a changé, elle m'emmener dans l'histoire. Elle est devenue comme très forte en alcool. Au début, elle était très forte en alcool, puis très, 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 très noire. C'est une stout. Puis une porter, ça se buvait plus comme le matin avant d'aller faire euh, la ferme, là, tu sais. Avec un œuf cassé dedans, c'était un petit déjeuner <laughs> du champion, du fermier. Puis là, on a emmené, ça a comme switché. Pup! Quand Pourquoi Comment J'en ai aucune espèce d'idée. J'essaie de me renseigner. Si vous le savez, envoyez-moi. Hey, c'est difficile à prononcer, ça, le matin. Envoyez-moi votre. Euh, vos sources, pour que je puisse vérifier pourquoi que Last Out s'est rendu faible en alcool, peut-être à cause de Guinness, là, on s'entend, mais s'est rendu faible en alcool avec, euh, un gros taux de trop, trop sucre résiduel et euh, un gros taux de sucre résiduel, s'il boit, la bière me fait déparler. C'est quoi? Piano-panier, piano panier piano panier panier, panier, panier. <laughs> panier, 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 panier. envoyez-moi vos sources pour que je puisse vérifier pourquoi s'est rendu le genre, l'inverse puis une porter on a tendance à dire que c'est un petit peu plus sec c'est un petit peu plus haut en alcool contrairement à la stout qui est plus euh, doux en bouche en tout cas c'est mon appréciation de, des deux styles d'habitude que je, je déguste ouais ben moi de mon côté qu'est-ce que je vois la stout est beaucoup plus ronde plus noire l'autre est, est plus bruneâtre mais qui va sur le noir euh, plus sec aussi oui et okay. que Écoute, on a tellement de choses au courant de l'histoire que eh, sur quoi qu'on se fie? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que les gens, quand ils vont parler de ça, c'était ça dans le temps? Euh, ben comme je vous dis, envoyez-nous vos euh, vos appréciations ou pas vos appréciations, mais vos recherches pour nous aider à nous améliorer et à vous éduquer les autres qui nous écoutent. Fait que si tu le sais, tant mieux pour toi. Ça va nous faire plaisir de le savoir. Marquez ça en description ou au podcast à commercial, le brasseur.ca aujourd'hui on voulait parler justement des grosses bières, des grosses bières. Alors Kev, qu qu'est-ce tu es allé nous chercher puis où tu as pris ça ces bières là ben, nos chers amis de chez Sacoule à Flo qui sont situés à la prairie, ils nous ont déniché euh, quelque chose de très très bien que je n'ai jamais essayé, et je ne connaissais pas cette microbrasserie. Moi j'ai connais moi j'ai Ouais, toi tu es dans l'industrie et tu as, as un pied partout, toi, tu connais tout le monde. C'est bien. C'est 11 comtés brasseries rurales. Ils sont situés dans le coin de Sherbrooke, dans Cookshire, Eaton. C'est vraiment une, une genre de ferme bradicole au milieu de nulle part. Puis les gars, ils se sont fait vraiment. Euh, comment je pourrais bien dire ça pour être poli? Dévaliser par tout le monde qui habitait alentour. C'est vraiment fou comment que le monde dans ce coin-là était content d'avoir une nouvelle micro-brasserie locale. Puis, je sais pas si c'est encore comme ça, mais tout le monde allait là-bas. même les, les, les propriétaires étaient comme, waouh, c'est vraiment le fun d'avoir une si belle. Euh... Ben, un, un ah Ben, moi aussi, je cherche mes mots. Un, une, une si belle. Tu sais, qu'elle trouve. Accueil. Oui, accueil. Exactement. Une si belle accueil dans, dans le milieu. Tu sais, tu dis, crime. Mes voisins m'encouragent. Puis, le monde dans l'entour sont vraiment satisfaits de qu ce qu'on fait. Puis, OK, j'ai jamais goûté cette bière-là. Mais j'ai déjà goûté des produits de 11 comtés. Puis je vous le dis, les amis, vous vous trompez pas avec 11 comtés. Ils font des produits vraiment excellents. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'ouvrir. Dans le style, normalement, on regarde si c'est un vin d'avoine. Moi, je pense que j'ai jamais vu vraiment de vin d'avoine, mais c'est basé sur un vin d'orge. C'est basé sur un vin d'orge. Puis moi, j'ai déjà fait un, un vin de blé. Oui. Fait que c'est vraiment drôle. Je vais pouvoir goûter mon vin de blé, un vin d'orge que tout le monde a goûté, un hein, barley wine. Puis là, on a un vin d'avoine. J'ai hâte de goûter à ça parce que l'avoine, j'adore ça, même si quand j'en pèse, je viens des boutons partout. <laughs> ah, qu que je suis allergique, j'ai les mains qui me gratte, puis qui me piquent puis... Euh... C'est juste extérieur, pas intérieur. Non, pas intérieur. La, la seule chose en passant, là, si vous en de la bière, mettez pas du centennial, je suis allergique. Je sais pas moi pourquoi, c'est le seul houblon que ça me donne de la difficulté à respirer. Ah, avec, euh... Ouais, avertissez-le comme quand ça, quand il, vous... quand il goûte, il va le savoir déjà d'avance, au lieu de s'empoisonner et que je vais le prendre, moi, tu vois bien avec ça. Ouais, lui, il n'y a pas de problème avec ça, fait que si vous en emmenez, euh, je vais le donner à Kevin Fu. En passant... Je sais pas si vous avez remarqué, dans le dernier podcast vers la fin, si vous l'avez écouté en vidéo, on a mis le kev.1.fu qui est maintenant sur Instagram. Puis je suis vraiment satisfait de voir que Kevin, il sait faire des stories Instagram. Euh, J'essaye. Oh, écoute, honnêtement, je connaissais rien là-dedans. Là. Euh, J'étais assez vieux pour avoir connu la technologie assez jeune, mais à un moment donné, je suis moins... Je suis moins chaud. <laughs> ah, il y a aussi MIRC que Kevin est est dessus. En kev.enfu. écoutez, si vous avez encore MIRC, je connais pas encore beaucoup de personnes qui ont ça. Là. Il est pas là-dessus. Cherchez-les pas, il est pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que Kev il est rendu avec une page Instagram. Euh, vous connaissez déjà la page Fitz le brasseur sur Instagram? Il y a le brasseur sur Instagram, puis il y a Fitzbeer. Sur Instagram. Hein? Instagram, nous autres, on connaît ça, on aime ça, ça va s'améliorer là-dedans. Pourquoi je dis on Trois pages, trois personnalités différentes, trois sujets différents. Si vous voulez suivre juste sur la bière, vous allez sur le brasseur. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours. Ou ma famille, si vous voulez que je mets un petit peu plus là-dessus, ça va être Fitzbeer. Puis si vous voulez aller sur tout ce qui est mes délires dans ma tête, tout ce qui se passe dans ma tête, là. vous voulez savoir qu'est-ce que je fais, les nouveaux projets qui s'en viennent, comme là, le podcast, on l'a posté sur Fitz, le brasseur, mes affaires de cri que je suis en train travailler dessus, puis tout, 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 tous les projets, là. normalement, c'est là-dessus. Si vous êtes amateur de whisky aussi, whisky, cigare, fumer la pipe, et etc. C'est sûr Fit le brasseur. C'est plus ma page. Euh... Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, en fin de compte? Puis Dieu aussi qui s'en passe en maudit dans ma tête. C'est dur. Écoute, pour un hyperactif, il est obligé d'avoir euh, trois Instagrams pour être capable de dire tout ce qu'il y a dans sa tête. J'ai sept Facebook. Ah, t'es pas bien, toi. Mais Sept Facebook. J'ai un Facebook personnel, puis le reste, c'est juste des pages de compagnie ou des compagnies euh, qui vont s'en venir éventuellement quand j'aurai un petit peu plus de temps. Alors, moi, j'ai déjà fini ma bière que LP m'avait fournie. Je vais aller la rincer pour pas altérer le goût de l'autre. Pendant ce temps-là, Kevin va vous conter une petite histoire et il va finir la sienne. Fait que pour ceux qui ont suivi au début sur mon Facebook, euh, j'ai finalement rebrassé ma Porter qui a explosé de mon casque. Vous savez que ça a tout rentré dans mon plancher et que je l'ai mis maintenant dans mon casque que ma deuxième brasse a été faite et euh, j'ai très bien frappé au marteau. Euh, Excuse-moi, Lp. Ça, c'est. Euh, je ne je veux, veux pas scraper ta bière là, parce qu'elle est excellente. Ok. Mon déjeuner est pris. Tu sais, il y a des bières qui sont plus faciles à caler que d'autres. <laughs> Celle-là était pas facile, mais <laughs> c'était quasiment un sacrilège parce qu'elle était excellente à déguster. Mais malheureusement, il faut avancer dans notre podcast. <laughs> puis en plus de ça, puis on l'a pas mis aux poubelles, on l'a bu complètement. Pendant que oui. je t'en de remplir les verres, mon cœur, tu en train de dire que t'as as brassé ton fût. Ton mon casque. casque. Mon casque. J'ai pas pris de chance. Là, écoute, j'ai appris de mes erreurs. On, on a toujours de s'améliorer. Puis, cette fois-ci, j'ai changé un peu ma méthode de brasse au niveau de la fermentation. Qu'est-ce que j'ai toujours fait pendant un certain temps, mais que c'était un... un gambling? Je fermentais deux semaines et demie, puis à partir de deux semaines et demie, je commençais mon cold crash. C'est pas nécessairement assez, surtout dépendant des levures et des bières. Donc, ça peut arriver que, un, ma bière va gaucher. Que la... Parce que ça va créer ma fermentation qui n'est pas finie dans ma bière, en plus du sucre que je vais rajouter pour créer la carbonisation. Donc mes calculs ne sont la pas bons. La gasification? Oui. <laughs> oui, c'est ça. Fait que j'ai changé ça. Je fais vraiment trois semaines entiers dans euh, mon, ma fermentation contrôlée avant de faire mon cold crash. Fait que. À ce niveau-là, je devrais plus avoir de problèmes. Un, de mon casque qui va exploser. Et deux, ça ne me tentait pas de reprendre l'expérience une deuxième fois. Euh, j'ai un beau bac de plastique que j'ai mis mon casque dedans. Et je vais le checker de temps en temps, juste au cas où il faut que je leur donne des coups de marteau. En principe, je devrais être correct. Mais tu sais, on apprend nos expériences. Quand qu on va être capable. Ben, dans un sens, c'est pas quand le gouvernement l'a dit. Quand que le virus va être contrôlé ou avoir un vaccin et on va pouvoir, pouvoir se rassembler. On va être capable de faire un événement parce qu'on s'entend qu'un casque, c'est comme une grosse bouteille. Là, une fois qu'il est, qu qu est ouvert, il est ouvert. Et que, on peut bon. garder ça peut-être environ une semaine, gros max. Deux, trois jours, une semaine. Max, dans le bas, une semaine. Là. Mais disons que dans la réalité, il faudrait que dans deux, une trois heures, jours, ouais. <laughs> ça serait mieux. Ouais, c'est sûr, et qu'on voudrait euh, probablement essayer de créer un événement ou quelque chose en genre qui serait peut-être agréable. Si jamais le coronavirus disparaît jamais, ou en tout cas, whatever, qu'on soit encore confiné un petit peu, mais qui nous permette de nous rassembler un petit peu, sais on fera pas un gros 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 party, on va essayer de vous faire un live quand on va taper les, euh, les deux cases ensemble, puis euh, moi personnellement, scraper euh, 10 litres de bière ou 15 litres de bière, j'en ai rien à faire, ça me dérange pas, j'ai goût de boire mon casque, ça fait longtemps qu'il est fini, ça fait longtemps que moi, il n'a pas explosé. <laughs> Puis, on vous fera un live, même si on a le droit à deux, trois couples. Moi, je pense qu'on va le taper quand même, juste pour le plaisir de le faire. Puis, Kev, si ça te fait trop euh, pleurer, je te repérerai ta brosse. <laughs> <laughs> Honnêtement, c'est jamais une question financière. C'est une question où je trouve ça triste de perdre la bière. je habitué. Mais à la différence, c'est que quand Fitz brasse avec son équipement, lui, il va faire une batch de 100 litres, 150 litres. Mais 200? moi, quand je vais brasser, quand je vais brasser de mon côté, ben, je vais faire. Généralement, je vais finir avec du 26 litres. Mais sauf que normalement, ça prend à peu près le même temps, même temps. de faire un 200 litres que de faire un 26 litres que je fais. Et que pour moi, perdre 26 minutes pour le temps que je c'est comme... Euh... Moi, ça me dérange un petit peu. Moi, j'ai encore trois kegs qui traînent, ou quatre kegs, ou cinq kegs qui traînent à la maison. C'est ça. Pff, Et que moi, ça a fait, fait euh, un casque plus 15 bouteilles. Et que... Moi, j'ai hâte de goûter à ça. Alors, mon cave, on est rendu à déguster notre vin d'avoine brassé par 11 comtés. Fait que c'est parti, on rouvre ça. Oh yeah, ça, j'adore entendre cette, 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 cette musique à mes oreilles. Alors, première impression de la couleur, mon cœur, c'est quoi? C'est vraiment pas, là je m'attendais pas du tout, du tout à ça. Parce que moi, c'est la première fois que j'assais ça et que je n'ai jamais, jamais bu de, de vin d'avoine. Normalement, pour ceux qui peuvent voir peut-être à la caméra, euh, la vin d'orge est généralement beaucoup plus foncée, un brun foncé et beau, gros en bouche, un goût d'alcool, puis ainsi là Sauf que là, on y voit sur le côté beaucoup plus blanc. En ou ouais, blond, en bris. Oui. Avec euh, belle tenue de mousse qui tient euh, très bien, belle couleur. Belle carbonisation aussi en passant, les gars. Super euh, pour le style de bière. Encore une fois, je viens de prendre une gorgée et je goûte aucunement l'alcool dedans. On va finir le podcast où la journée est vraiment affectée. Surtout que Kev est sur les, euh, les médicaments. Il n'a pas encore déjeuné, il n'a pas pris son café. <laughs> non, moi, il a son masque. All right. Ça, c'est pesant. On peut pas, tu sais, euh, au niveau pesant, ça veut pas rien dire au niveau de l'alcool. C'est de la façon que la bière est faite. Bien sûr, c'est une grosse bière. Ça, c'est une grosse bière. Euh, j'su, écoute, je pourrais pas caler. C'est une bière vraiment réconfortante. Moi, j'appelle ça une bière réconfortante. Quand tu bois ça, tu as le goût de, de, de te mettre dans une doudou sur le bord d'un feu. L'avoine, tout le monde sait que l'avoine si vous le savez pas, vous allez le savoir, amène une omptuosité dans la bière. Ça donne un gros mode feed. Ça remplit les joues au complet. J'ai pris une gorgée puis j'ai encore les joues qui pétillent tellement que ça fait quelque chose de bien dans notre bouche. Euh, C'est une bière très 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 réconfortante. Je boirais par exemple pas cette bière-là au gros soleil présentement. Non. non, pas du tout parce que si vous voulez avoir quelque chose de désaltérant, fiez vous pas à la couleur. Euh, C'est très très tricky, ça on va dire là. Tu vas prendre une petite gorgée, tu vas la déguster, tu vas l'apprécier. Mais tu vas aller par petite gorgées. Fait que pour revenir à, nos, euh, à notre BJCP. Hein, mon kev? Ouais, notre, notre cher... Euh, charte qu'on se fie pour faire nos podcasts. Est-ce que tu as trouvé vin haute 20 d'avoine? Non, j'ai pas trouvé de vin d'avoine. Qu'est-ce qu que je vais faire? C'est que je vais sortir un petit peu les specs du vin d'orge pour être capable d'être quelque chose de similaire euh, dans certaines saveurs que je vais trouver, je vais trouver des petites similitudes avec le vin d'orge, les barley wine, mais c'est pas pareil. C'est pas vraiment pareil. Alors, pour la couleur, on sera vraiment pas dedans parce que on, si on se fait un vin d'orge, le vin d'orge est beaucoup plus rouge, brun que qu ce qu'on a présentement, mais c'est normal parce que si on, aurait, si on se comptait, on nous aurait fait une bière un peu cette même couleur-là, je vais arrêter de déçu. Tu sais, de, de l'avoine, c'est pâle. Fait qu'il ne voulait pas qu'elle soit foncée. Fait je suis vraiment satisfait de la couleur. Hey, c'est gros hein, ça. <laughs> Euh, si on se fie au vin, vin d'orge, normalement, un vin d'orge, un barley wine, ça va être en haut pourcentage d'alcool aux environs de la même teneur. On parle d'un 8 à 12 Ici, présentement, sur la canette, ils nous disent 9 d'alcool. Fait qu'on serait amplement dedans. Aussi, le vin d'orge, on veut une onctuosité. On veut quelque chose qui a du corps. C'est long en bouche, euh, c'est pesant, puis beaucoup de complexité dans les saveurs. C'est pas <laughs> quelque chose de sec qui se rend seul seul. C'est. Euh... Prenez juste une gorgée, prenez le temps d'y goûter. Mon palais, le fond de gorge, j'ai encore une saveur qui continue. Fait que ça veut dire qu'ils sont dedans aussi pour cette côté-là. Au niveau de l'amertume, il faut toujours se rappeler que c'est une question de ratio. On part avec une très haute gravité en partant avec beaucoup de sucre. Et que fiez-vous pas de dire que, regarde, une barley wine américaine, normalement, c'est entre 50 à 100 IBU. Puis pourtant, une IPA, on ne va jamais jusqu'à 100 IBU. On va souvent comme dans du 50, 60, 70 IBU, puis c'est en masse amère. Sauf que le pourcentage, on va rarement voir une IPA à 12 Ça se fait. J'ai déjà vu des triples IPA, puis j'ai goûté, qui étaient excellent, mais aussi très difficiles à boire. Façon de parler que c'est pesant aussi. Vous allez avoir plein de saveurs, puis ensuite, mais vous n'allez certainement pas le caler des petites gorgées par petites gorgées. Pour cette bière-là, malheureusement, On se ne nous donne pas la, le taux d'amertume qu'on a en IBU. Par contre, je trouve que c'est bien de ne pas le donner parce que ça pourrait influencer des fois certaines personnes qui sont un triple de IPA puis ils verraient un haut pourcentage d'IBU dans la bière et ils seraient vraiment déçus. Fait que c'est un plus pour un moins. Ça dépend à quelle connaissance de bière que vous avez. Si on voudrait faire une bière de ce type-là, vous savez, j'ai déjà fait un vin de blé, j'ai déjà fait des vins d'or, Évidemment, parce que j'aime ce type de bière-là. Kev, t'as-tu déjà fait des bières type 20, 20, 20 de bière, si tu veux? Euh, ben, j'ai fait une euh, We Heavy, qui est comme une Scotch L impériale, qui est un. C'est pas pareil, mais ça va un peu dans le site des bières pesantes. Écoute, c'est quand même très, très particulier et pas nécessairement facile à faire. Parce que on a un gros problème quand on fait des bières à haut pourcentage d'alcool. Et oui, c'est l'efficacité qu'on parle ici dans notre podcast. C'est pas parce que vous allez faire une bière que tu sais, vous allez prendre la même recette, vous allez augmenter le grain pour avoir un plus haut pourcentage d'alcool. Il y a tellement de grains dedans, l'eau qui circule à travers. 5 euh, ans, vous avez 75-80% d'efficacité, vous allez peut-être tomber à 60%-65%. Pourtant, vous avez racheté plus de grains et que ça vous a coûté plus cher pour faire moins d'alcool. Puis en plus de ça, Kev, tu brasses avec le grandfather. Oui, ça va très bien, mais malgré tout, même si j'ai une recirculation, euh, je moue mon grain d'une façon très particulière pour aller chercher le maximum sans avoir de stock marche, j'ai une perte d'efficacité pareil. <laughs> On a une perte d'efficacité et on a aussi le problème de trop de grains pour la quantité d'eau qu'on devrait mettre pour la machine qu'est-ce qui est capable de supporter. Ça veut dire qu'il faut réapprendre à brasser avec nos euh, un vaisseaux, tu sais, autant RoboBrew, euh, Grandfather, Brewmaster et euh, les autres qui existent sur le marché présentement. là. Ouais, entre autres, mais il y en a plein d'autres même. J'arrête pas de me faire appeler pour ça. Il faut réapprendre à brasser. Tu mettras pas qu ce que Grandfather te dit en quantité d'eau de mâche parce que ça rentre pas. Non, que euh, vous avez plusieurs options que vous pouvez faire pour essayer de résoudre le problème. Sauf que en faisant ça, c'est pas nécessairement facile d'avoir une prévision exacte de quest ce que vous allez avoir comme résultat final. Vous vous avez le choix numéro un de, de faire, de splitter la batch en deux, puis de faire deux matchs. Ou vous pouvez faire aussi un double match, ce qui veut dire que vous allez mettre votre grain dans l'eau pendant votre temps de match. Vous allez retirer votre grain, mais au lieu de, vous allez jeter votre grain et remettre du grain dedans votre mou qui est déjà sucré et c'est comme si on, faisait, on repartait mais au lieu d'avoir votre eau de base vous allez remettre du nouveau grain dans le mou que vous avez déjà fait et que ça devient une double, un double marche dans un sens pour remettre ça et vous refaites une deuxième batch dedans ou vous pouvez mâcher avec une plus petite quantité d'eau et asperger avec une plus grosse quantité d'eau moi, c'est la méthode que j'utilise. Je peux un petit peu moins d'efficacité en faisant ça. Et que vous allez avoir une plus petite bâche de bière, mais selon votre capacité que vous avez dans votre vaisseau, ben vous allez pouvoir mettre plus d'eau en conséquence et de grains. Ça va juste donner moins de bière à la fin, mais vous allez être capable d'aller chercher une plus grosse bière en faisant juste une brasse. Fait que vous avez plusieurs méthodes à utiliser, à faire des tests, à vous amuser avec. Question d'ébullition, après ça, ça reste la même chose. On se ramasse avec un 26.5 litres ou un 27 litres qu'on va perdre 2 litres d'ébullition, 2 litres d'évaporation je devrais-je dire. Et après ça, vous mettez vos blonds comme que vous mettez d'habitude et c'est pas mal tout. On refroidit puis on met dans le fermenteur. Et qu'est-ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que votre marche est finie, ça va être important dans ce cas-ci, c'est un exemple, surtout si vous faites un double batch de prendre votre gravité avant de faire l'ébullition parce que ça se peut que vous allez avoir besoin de faire un ajustement de vos blonds en conséquence du taux de sucre que vous avez eu comme résultat. Et si vous n'avez pas eu l'efficacité que vous pensiez avoir, la quantité de houblon que vous allez mettre dedans va jouer un rôle. Ça sera peut-être pas assez amer parce que ça va coûter une bière beaucoup trop sucrée vu que c'est à très haut pourcentage d'alcool. Ou le contraire, si vous n'avez pas une grosse capacité, vous allez être trop amer parce que vous avez eu trop de sucre dedans. C'est une, une partie importante si vous voulez avoir un bon résultat puis vous allez apprécier votre bière à la fin. Fait que l'importance d'avoir un réfractomètre pendant qu'on fait notre bière, c'est là l'importance. On a différentes techniques pour différentes sortes de bières, on a différents défis pour différentes sortes de bières. Dans ce cas-ci, c'est vraiment de bien ajuster l'IBU qu'on a par rapport à notre pourcentage d'alcool final qu'on veut avoir et notre taux de sucre résiduel qui va nous rester en bouche. Il n'y a pas de méthode super euh, prescrite pour faire ce type de bière-là. C'est beaucoup des essais erreurs et c'est là aussi qu'on va voir si le brasseur il est bon ou Médiocre. Et que ça vous permet en même temps de connaître très bien votre machine, vos équipements de brassage que vous avez, et que vous allez faire des essais dessus. Mais si vous allez refaire la recette une deuxième fois par la suite, vous êtes capable de prévoir qu'est-ce que vous avez fait si vous refaites la même recette. Donc vous Prenez tout en note, tous vos résultats que vous avez lors de votre brassage. Puis ça va vous, vous permettre justement d'avoir une meilleure idée quand vous allez en faire des grosses bières. Moi, ça m'emmène à un sujet qu'on n'était pas supposé de parler, Kevin. Là. Fait que euh, je suis désolé, il n'est pas prêt. Mais euh, quand tu fais une grosse bière de même, tu on parle d'un 9, d'un 10% d'alcool. C'est quoi ton pitch de leveur que tu vas y mettre? Euh, tout dépendant du pourcentage, il y a une capacité maximale que les levures sont capables d'absorber et que si jamais on, on y va, mettons avec euh, on va dire du 10 à 12 approximatif. Ça va être un paquet de levure ne sera pas nécessairement assez. C'est encore plus important d'avoir une bonne levure en santé parce qu'il y a de la grosse job à faire. Et qu'on veut pas que notre levure s'endorme trop tôt. Puis dire qu'elle est trop fatiguée parce qu'elle n'a plus rien, est plus capable d'en manger, puis on va avoir trop de sucres résiduels. Ça peut donner d'autres saveurs qu'on ne veut pas nécessairement. Puis tout le travail, l'argent que vous avez mis, euh, c'est un petit peu plate. Dans ce temps-là, même si on a des levures comme Escarman, que 180 millions ou bien billion. euh, milliards Billions. Billions, c'est des milliards de, de particules, de cellules, de levures, je mettrais quand même deux paquets dedans. Euh, à moins que vous voulez faire un starter d'un paquet frais en partant pour pouvoir euh, multiplier, c'était une autre façon. Puis là, ce qui m'apporte à ma deuxième question. Quel est le nombre d'oxygène que tu vas mettre dans ta bière, mon petit loup? En principe... Bien, en principe, la réalité c'est qu'on a un maximum d'oxygène qu'on a, qu'on respire présentement. Qu'on ne peut pas en mettre plus dans la bière. On peut la répartir. Si, exemple, vous avez une tourie de vide, vous pouvez toute la shaker, mais il n'y aura pas plus d'oxygène dedans. C'est juste que l'oxygène va être réparti. L'oxygène est encore plus important pour des bières qui sont si pesantes et si grosses en taux d'alcool. La réalité c'est que pour avoir un très bon résultat, il faudrait faire une injection avec une bonbonne d'oxygène mais malheureusement j'en ai pas il y a pas grand monde qui a qui, qui ont ça chez eux le CO2 est beaucoup plus euh, propagé et facile d'accès et que euh, vous avez le choix pour essayer de propager euh, l'oxygène disponible dans votre bière avec une petite pompe à aquarium mais malgré ça vous allez quand même avoir le nombre d'oxygène que c'est dans l'air t'sais ta pompe à aquarium que tu fais ça que tu passes à travers les tramis, que tu brasses ta tourie comme un maudit fou ou ta chaudière de plastique c'est le nombre d'oxygène qui est disponible dans l'air. Normalement, il nous faut 1 ppm d'oxygène pour 1 degré plateau. Donc, normalement, dans l'oxygène, si je me rappelle bien, on, a, on peut avoir jusqu'à 8 ppm, si je me rappelle bien. Ou 8 ou 10 ppm dans l'oxygène, ça veut dire qu'il y a 8, 8 plateaux qui équivaut à environ à une bière à 4%. Donc là, on va généralement, euh, si je, on parle en plateau, on va aller chercher du... 17, 18, 19, qui va être à peu près... Ben, c'est 10, 40, c'est 8 plateaux. 10, 40, c'est 8 plateaux? Ah, c'est 10 plateaux. 10, 40, 10 plateaux. Hein? 10, <laughs> a, 40, a... 10 plateaux, 10, 40, 10 plateaux. Non, mais ben, pour le vrai, ça, ça fait vraiment le fait que beaucoup de monde vont, vont faire des grosses bières souvent, ils vont mettre beaucoup de, de levure dedans, puis ils appellent ou ils voient des pauses passées, puis ils disent « Hey, ma, ma levure n'est pas fini! Puis là, tout le monde se pose la question « Pourquoi? » C'est le nombre d'oxygène qui n'est pas disponible. Il faut savoir que la levure fonctionne aussi avec un manque d'oxygène, elle est capable de fonctionner quand même, mais c'est plus long, puis c'est plus compliqué pour elle que si tu lui donnes le bon taux d'oxygène déjà en partant. Alors, si vous voulez améliorer votre processus, puis pas que ça vous coûte Trop cher euh, nécessairement. On, on parle beaucoup de formateurs coniques comme que j'ai ici. Un euh, formateur conique, c'est 1000$. Un glycol pack comme Kevin, a, on entend, c'est 1200$. Euh, c'est des grosses dépenses. Pensez des fois, si vous êtes porté à faire des bières un petit peu plus torquées en, en pourcentage d'alcool, pensez d'acheter une bonbonne d'oxygène avec les régulateurs et les pierres qui sont disponibles. Ça va vous coûter un 100-200 puis vous allez vraiment améliorer la qualité de votre bière et le goût de votre bière. C'est vraiment important, puis je pense que va être ta prochaine achat, ça. Euh, Peut-être. C'est pas parce que je veux pas contrôler, c'est que généralement j'apprécie mes bières entre euh, 4 et 7 Voilà euh, ouais, là, t'es plus correct, là. Entre 4 ouais. et 7 t'es es, es direct dans la norme qu'on peut faire avec le taux d'oxygène qu'on a nécessairement dans l'air et le taux que la levure est capable de fonctionner avec un petit manque d'oxygène quand même. Mais tous ceux qui ont des micro microbrasseries... C'est sûr et certain, ils ont leur grosse bonbonne avec leur pierre pour euh, dissiper et bien distribuer en les, 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 euh, mini bulles l'oxygène qu'ils vont mettre dans leur, dans leur bière pour pouvoir euh, avoir une bonne fermentation. Là, eux, c'est une business. Et Il n'y n'est pas question qui manque ou qui cause des problèmes sur une grosse batch qui va leur coûter 5, 6, 10 000 par batch. C'est une petite chose qui est très importante. À la maison, comme Fitz dit, si vous perdez 23 litres, pas mal, ça fait pas mal moins mal au cœur que si c'était votre business. Exactement. Pour le reste du podcast, je veux vous dire que je suis vraiment satisfait. Ça fait déjà six podcasts qu'on fait avec notre partenaire, Ça Coule à Flot à la Prairie. Qui nous euh, donne des, des, des bières à déguster pour vous pour vous expliquer un peu le processus, comment on la fabrique aussi à la maison. Puis je suis vraiment content euh, qu'il nous amène tout le temps des bières différentes. T'sais, on n'a jamais eu des brasseries qui se ressemblaient nécessairement. On n'a jamais eu des types de bières qui se ressemblaient non plus. Félicitations à Sakula Flow de suivre tout qu ce qu'on fait dans nos podcasts et. Nous aider à nous améliorer dans nos podcasts, évidemment en, de, en nous donnant des petits défis comme un, un vin euh, d'avoine. Et aussi de, de nous euh, permettre de vous montrer à vous, le monde qui nous écoute, des nouvelles, euh, soit des nouvelles méthodes, soit des, des, des petites astuces, des petits trucs qui viennent en faisant les podcasts comme le taux d'oxygène qu'on n'aurait probablement pas parlé si on n'aurait pas eu une bière à 9 et à 10 qu'elle nous apporter qu'on essaie de trouver des sujets différents, de ne pas trop se répéter, malgré si on le fait un petit peu, on, on, on s'en excuse. excuse. On pas. on est, euh, On est assez spontané. Et On a une petite base de notre podcast puis le restant, on y va sur le fly puis on y va comment, que, comment on va avec notre feeling. C'est pour ça que je voudrais introduire mon Kevin. Présentement, il m'arrête avec des gros yeux avec des 25 sous. Mmh. Amenez-vous nos questions, amenez-vous vos questions au podcast à commercial on veut vous entendre, on veut répondre à vos questions, on veut avoir de l'interaction avec vous. Beaucoup de monde nous dit Ah, hey, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment cool les podcasts. À cave, je, suis sa case, je suis sa page à star pis tout, c'est vraiment intéressant. Mais les côtés questions, on, on, on en manque un petit peu. On en a eu au début des podcasts, puis là, présentement, le monde, euh, plus trop, trop trop de questions. Euh, pourtant, quand je fais des vidéos, vous avez plein de questions en dessous des, 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 des vidéos. <laughs> Puis là, quand on fait des podcasts, on n'a pas beaucoup. Ben, Soit qu'on est trop clair. J'ai eu une question sur mon compte à, à moi de Kev oh, en oui. sur euh, Facebook que j'ai pu répondre euh, à la personne sans aucun problème. Pour ceux qui viennent de commencer ou qui veulent commencer, il y a beaucoup de personnes, en écoutant les podcasts, en écoutant les vidéos, ont eu la piqûre et justement, on a eu du feedback. C'est comme, hey, en cause de vous autres, j'ai commencé à brasser. Beaucoup, et beaucoup. Et qu'on est content vraiment de pouvoir dire. Bien, nous, on est contents du résultat, puis j'espère que vous allez autant de fun que nous à faire cette passion-là. La personne qui commençait me demandait est-ce que c'est normal d'avoir un dépôt dans le fond des bouteilles Et oui, refermentation en bouteille, mon ami. C'est ça. C'est que ceux qui achètent, on, si on est, toujours, on est nouveau à brasser, on est toujours habitué d'aller acheter qu ce qui est sur le marché. Tout qu ce qui est sur le marché, à part peut-être Unibrou qui font la fermentation en bouteille, eux, qu'est-ce qu'ils font C'est que toutes les fermentations. Est transféré dans un gros compartiment qui s'appelle une Bright Tank. Exactement. Une Bright Tank, c'est un compartiment qui est beaucoup plus épais qui permet justement de mettre le CO2 et forcer la carbonisation. C'est comme un gros cake. La gasification. Ah, Colin. <laughs> Merci. Et que un gros, ça permet d'absorber la pression et de gazifier la bière. Donc, vu que c'est forcé avec le CO2, il n'y a pas de résidus de levure euh, qui va retomber dans le fond. Et que une fois que c'est prêt, au niveau de, de gazification gasification voulu selon le type de la bière, eux ont déjà tout l'équipement pour les transférer en canne ou en bouteille. C'est pour ça que zéro dépôt et que nos bières sont toujours clean. Sauf que quand que nous on fait ça à la maison, ça c'est d'autres choses, parce que un keg, c'est le même principe. Vous allez mettre une bonbonne de CO2 branchée, vous allez forcer et vous n'allez pas avoir de dépôt dedans. Par contre, en bouteille, on, a besoin, on va faire une deuxième mini-fermentation. Ça, ça veut dire qu'on va rajouter du sucre dans notre bière. Puis on les transfère. Une fois que le sucre est bien dilué et que vous allez mettre ça en bouteille, la fermentation recrée et que ça réactive les levures. Et en réactivant les levures, une fois qu'ils ont fait leur job pour gazifier la, la bière, les dépôts de levures vont tomber dans le fond de la bouteille. Et une fois que, que c'est fini, après 2-3 semaines, vous allez mettre votre bière dans le frigo et ça fait comme un deuxième cold crash. Et que tous les petits dépôts possibles vont tomber dans le fond. C'est comestible, c'est pas un problème, sauf que c'est mieux de le laisser dans le fond parce que ça ne va pas vous donner une bière. Clair, ça va devenir trouble automatiquement et ça travaille votre flore intestinale. Et que si vous n'êtes pas au courant, c'est bon pour la santé, pour ceux qui vont se rebâtir une flore intestinale, mais la levure à bière est excellente pour ça, mais ça se peut que ça vous amène aux toilettes. L'autre chose aussi que je veux dire, c'est que si on fait des bières belges, les bières belges sont plus portées à avoir un lit ou un dépôt dans leur bière. Ça fait partie vraiment du style et ça fait vraiment partie de, de, la, de, de la nation tu aussi sais, d'avoir un, un dépôt dans une bière belge. Vous versez tranquillement la première moitié de votre bière dans votre verre pour l'avoir cristalline, puis vous y goûtez, vous prenez un autre verre et on va shaker. On tourne tranquillement pour faire remonter les sédiments qui est le dépôt. Et on va verser votre bière, elle va être laiteuse au bout, puis vous goûter. 96 du monde aime mieux la deuxième parce qu'on a vraiment le goût, la, le, les, les saveurs, les flaveurs de la levure. La levure belge est très particulière parce qu'elle va donner. C'est une saveur unique. Moi, si je vais sentir une bière belge, je peux, je peux vous le dire tout de suite parce que ça c'est très prononcé, mais c'est très unique comparativement aux autres levures. J'ai fait souvent des Whit Beer, qui est une blanche belge, euh, souvent avec orange coriandre, qui est, euh, qui est le classique. Si vous regardez une fois que vous avez versé votre, euh, votre bière, puis vous n'avez pas brassé, regardez de dedans, vous allez avoir un dépôt beaucoup plus gros que les autres bières que vous allez avoir et de l'importance pour vous qui brassez à la maison, quand vous allez rincer votre bouteille, vous allez regarder, vous allez peut-être la rincer 5 6 fois avant que le dépôt parte. Parce que si vous rincez pas votre bouteille correctement, vous allez avoir de la moisissure, puis c'est super chiant à laver. C'est dégueulasse aussi si vous l'oubliez quand vous, vous embouteillez, ça va vous donner un gros mouche qui va apparaître dans votre bière, puis ça on veut pas ça dans la bière, ça fait comme un peu, c'est pas bon. <laughs> qui c'est qui veut goûter du moisi ah, c'est dégueulasse, ça, ça une fois, puis euh, c'est ça. Et que pour ceux qui lavent les bouteilles, une petite parenthèse comme ça. Faites toujours une inspection visuelle. Et que c'est pas parce que vous allez les tremper, que vous avez brossé une fois que vous avez bien rincé, faites une inspection visuelle parce qu'une fois, vous allez avoir juste peut-être un petit morceau qui va rester dans le coin de votre bouteille et ça va scraper carrément votre bouteille. Puis vous n'allez pas l'avoir, puis vous allez goûter bizarre, puis vous allez le boire par accident. Puis ça va être dégueu. C'est super pas bon. Hein? Super, pas bon. Un autre mot français francophone du Québec. Alors, euh, je pense qu'on a fait le tour du podcast pour aujourd'hui, mon cave. Comment ça va Comment ça porte votre dos, monsieur Kevin Enfu? Je vais vous dire quand je vais me lever, parce que c'est toujours quand je change de position que c'est pénible et douloureux. Mais euh, merci à Laflot pour euh, cette excellente bière qui m'a un peu endolori le dos. Fait que euh, c'est le genre de petite médication maison euh, purement naturelle qui euh, qui enlève un fardeau sur mes épaules et ma tête va beaucoup mieux. N'oubliez pas que le brasseur est sur Internet, qui est sur Facebook, Instagram. Il y a Kevin Fu sur Instagram et Facebook. Fitz le brasseur sur Facebook, Instagram et YouTube. J'ai un autre channel. Je sais, j'ai été très peu, 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 peu faire des vidéos dessus. Ça revient à très grand pas. J'ai euh, trouvé un petit peu plus de temps prochainement pour en faire. Si vous vous avez des questions, des commentaires, il y a toujours le info à commercial. C'est pas vrai. Si vous avez des commentaires, il y a toujours le podcast à commercial, labraceur.ca. Questions, commentaires, on les prend toutes. Ça nous fait un grand plaisir de vous lire. On a aussi le podcast qui est sur YouTube, si vous le savez pas, ou sur toutes les plateformes disponibles pour les écouter, dont Apple et Spotify, les deux plus populaires, je crois, pour écouter et des podcasts. Google Play aussi. Google, aussi, Google Play. Oui, excusez-moi. J'avais oublié Google et euh, je pense que ça fait pas mal le tour de notre podcast mon Kev comment t'as trouvé ta journée ou ah, ta ben matinée vient... ouais elle vient de commencer je <laughs> hey, vais aller me recoucher donc Kev ça va se recoucher moi je m'en vais vous servir je m'en vais faire vos recettes d'ici là on se dit dans un prochain podcast si vous avez des commentaires n'oubliez pas de nous contacter Puis euh, passez un bon temps de COVID-19 les amis bonne grâce tout le monde ciao